Bonjour, alors là je vais vous présenter le changement de filament en cours d'impression sur l'i3 Metal Motion. Alors tout se passe au niveau du menu, donc on clique dessus et il y a un menu qui est, attendez que j'y aille là, qui est impression, voilà, donc mode impression, changement de filament. Alors on va cliquer dessus, veuillez patienter, et là, a priori l'imprimante, on suppose qu'elle s'est arrêtée au moment où elle faisait un remplissage, et elle va remonter tranquillement à son origine. Pendant ce temps-là, on va préparer notre deuxième filament, qui était le filament bronze d'Emotion Tech, hein, et on va biseauter le bout pour pouvoir bien l'insérer. Ensuite, qu'est-ce que nous dit ? Retirer le filament du tube du PFE et cliquer. Donc, il a sorti le filament, je débraye et je le retire. On va enlever notre filament du PTFE. Voilà. Et après, cliquez. Débrayer et insérer le filament jusqu'au point dur, puis cliquer. Donc on va l'insérer. On va insérer de nouveau. Allons-y, donc je mets mon tube de PTFE, on l'insère dedans, jusqu'au bout, voilà il est sorti, bon j'ai même sorti beaucoup beaucoup, voilà, on va le retirer un petit peu, à la bonne longueur, voilà, on débraye et l'insérez-le jusqu'au point dur, puis cliquez, donc allons-y, donc je débraye, je l'insère, alors j'ai pas assez coupé en pointe, là c'est biseauté, donc je vais faire maintenant, voilà, j'ai bien biseauté, je débraye et je l'insère, jusqu'au point dur. Maintenant, je peux encore prendre un peu de marge. Encore un petit peu. Il faut sentir le filament qui bloque. Voilà, là, c'est sur le point dur, il bloque. Je remets bien mon filament. Et puis, clic dur, puis cliquer. Amorçage en cours. Donc là, la molette là-haut, l'entraînement tourne. Notre finalement, on le sent est bien entraîné. D'ailleurs, il s'extrude là. On voit le filament qui sort. Nous. Relancer amorçage ou retour impression. On fait retour impression. Et on dit reprendre. Donc là, il va reprendre l'impression. Et comme nous sommes sur du filament qui est en bronze, qui demande un petit peu plus de température, on va augmenter la température dans le contrôle manuel, température, température cible, on va l'augmenter un petit peu sur la tête, on va lui mettre tranquillement 210, ok, et puis comme on est un peu sur des filaments bronze un peu plus technique, on va tourner la molette et lui demander d'imprimer un tout petit peu plus lentement quand même, voilà, on va se mettre tranquillement un peu plus lent. Et voilà. Et puis, on va attendre que ça se passe tranquillement. Ben, je vous donne. Alors. Et ben, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le résultat.